Bruno Stévan, enseignant-chercheur à l'IMT Atlantique, campus de Rennes. Les apprentis se voient souvent proposer des missions au caractère très innovant. Dans le cadre de ces missions, les apprentis peuvent apporter un regard neuf sur les problématiques de l'entreprise. C'est aussi extrêmement intéressant pour les entreprises d'avoir un lien direct avec des élèves futurs diplômés. Ceux-ci seront déjà formés à la culture de l'entreprise et on s'aperçoit que souvent, les apprentis poursuivent leur première expérience professionnelle dans l'entreprise qui les a formés. Les apprentis travaillent sur des projets ou des postes qu'on appelle des terrains d'apprentissage en entreprise, donc sur des missions qui peuvent être très variées dans des contextes très différents. On peut avoir des entreprises qui peuvent être très variées, que ce soit des grands groupes, des centres de recherche nationaux ou des petites et moyennes entreprises. Par exemple, j'ai connu un apprenti qui a travaillé dans le domaine des communications spatiales au Centre national des études spatiales à Toulouse. Donc sur des communications par satellite. Et une autre apprentie qui, elle, a travaillé dans un domaine très pointu, qui est celui des systèmes de communication embarqués pour les trains et dans le cadre d'une petite entreprise. Les alternants sont accompagnés pendant leur période en entreprise par un binôme qui est constitué par, d'un côté, pour l'entreprise, le maître d'apprentissage et du côté scolaire, du côté de l'école, par un tuteur pédagogique. Ce binôme va suivre l'apprenti tout au long de sa scolarité, donc pendant les périodes entreprise et pendant les périodes école. Les échanges sont assez nombreux au cours de la formation. Plusieurs fois par an, le tuteur pédagogique et le maître d'apprentissage rencontrent l'apprenti pour faire un bilan sur sa progression, donc que ce soit par rapport aux attendus de la période entreprise et de sa montée en compétences, et aussi par rapport à ses résultats scolaires. L'alternant peut vraiment s'appuyer sur ces deux personnes pour avoir un accompagnement personnalisé qui va l'aider à accomplir l'ensemble de son parcours scolaire. L'expérience en entreprise est bénéfique pour les étudiants apprentis car elle permet de compléter les enseignements qui leur sont donnés pendant les périodes d'école. L'expérience en entreprise leur permet aussi d'acquérir tout un tas de codes du monde professionnel sur l'intégration dans une entreprise et leur permettront par la suite de pouvoir plus facilement trouver une place sur le marché du travail.